Vous avez un nez? Un nez très grand. C'est tout. Mais oh non. C'est un peu court. Jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton. Par exemple, tenez agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Bah, amical. Mais s'il doit tremper dans votre tasse pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. C'est curieux. De quoi sert cette oblongue capsule d'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous ça se pour les oiseaux que paternellement vous préoccupez de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sortait du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée. Prévenant. Gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tondre. Faites-lui faire un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippocrampe et défendre au Camélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Quoi, l'ami, ce croc est à la mode, pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le mistral. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif, pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue, c'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Eh, ardez, c'est-il un nez? Non, non, c'est que navet géant, ou bien que melon, nain. Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyram en un sanglot, le voilà donc ce nez qui détresse son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Ben voilà. Jusqu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit, mais l'esprit. Ah, le plus lamentable des êtres. N'en eût jamais un atout. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sauf. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve.